Il faut rappeler que nous sommes dans une situation de crise. Le Burkina Faso traverse une situation de crise depuis 2015. Et aujourd'hui, le système éducatif burkinabé est aussi en crise. Et il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1 million d'élèves affectés par ce problème sécuritaire-là, qui n'ont plus accès à l'éducation. Et nous avons pensé, en tout cas, qu'il fallait qu'ensemble, Burkinabé, nous pensions à des solutions, nous trouvons des solutions, je dirais, pour accompagner ces élèves-là, assurer la continuité éducative, d'une part, et assurer aussi le soutien psychosocial, d'une autre part. Et c'est dans ce sens-là que nous avons, en tout cas, initié cette phase pilote-là, dans le but de présenter aux différentes autorités. Et en tout cas, ce que nous avons développé depuis 2015, nous avons d'abord le premier outil, c'est la vidéo éducative. Pour les élèves du préscolaire et du primaire, nous avons des jeux de cartes éducatifs et voilà, qui transcrivent toujours les programmes scolaires burkinabé sous format audiovisuel. Il faut rappeler que ces outils ont été validés par le ministère en charge de l'éducation nationale. Et nous avons des modules tels que la clé USB éducative qui permet d'avoir accès à ces vidéos-là, de disponibiliser ces vidéos-là à tous les élèves, à tous les enseignants, à tous les parents d'élèves, où qu'ils soient, sur toute l'étendue du territoire national et même hors du territoire national. Et nous avons le support télé autonome qui permet d'avoir accès à la télévision sans besoin d'électricité grâce à l'énergie solaire. Nous avons aussi le box autonome solaire que nous avons conçu pour les besoins de ce projet pilote-là, dans le but de montrer aussi, de présenter aux différentes autorités que Universel Group, c'est l'innovation. Nous travaillons à innover. Donc, dans le cadre de cette mission, il y a le box autonome solaire qui est sorti. Donc, l'idée, c'est pour dire quoi ? Utilisons nos ressources, voilà. Aujourd'hui, nous avons le soleil qui brille beaucoup au Burkina Faso. On peut l'utiliser pour diffuser le savoir. Donc, du soleil au savoir. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'on l'attendait. Et si elle n'était pas là, il fallait la proposer. Et nous sommes très heureux de pouvoir lancer cette initiative-là, ce projet dans notre région. En tout cas, il faut saluer l'initiative et il faut saluer les efforts fournis par le ministère et actuellement. Et notre pays vit effectivement une situation difficile, une situation que nous n'avons pas connue. Et il y a plusieurs défis à relever. Et cette initiative, et les moyens audiovisuels, en tout cas, et l'enseignement par le divertissement, par les jeux, et va apporter un plus à nos enfants.